Voilà, Covid génial. En 93, un vaisseau venu de l'espace se crache en Alabama. Pour passer inaperçu, les quatre survivants prennent l'apparence d'un groupe d'ados innocents qui carburent au surf, au punk et au nanar de science-fiction. C'est Man or Astroman, homme ou extraterrestre. Trois ans et 10 albums plus tard, les petits hommes au cerveau atomique vitrifient la grande scène du festival Villette Sonic et plongent dans la mallette au trésor de vinyle de Trax à la recherche de leurs souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me rappelle un disque de Ketel. Tu connais Ketel, le label américain? Ils ont sorti plein d'albums de disco ringarde et des compilations de tubes. Des trucs du genre Hit Express, avec un train qui surgit et des nuages qui éclatent. Et je pensais découper mon t-shirt comme ça. J'ai trois tétons. Il a vraiment trois tétons. Mon troisième téton est exactement là. Cet album raconte l'histoire d'une fille qui a vendu son âme. Gong. Ça commence avec un gong. Ça sonne comme si Donna Summer avait de sérieux problèmes. Des problèmes mentaux. Et qu'elle rencontrait Nico du Velvet Underground et qu'elle vivait une tragédie sur scène. Je vois la calotte glaciaire grossir, pas fondre. Les voitures qui volent. La paix dans le monde. La population qui décroît. La famine qui va s'arrêter. Il n'y aura plus d'ouragans, plus de tsunamis. C'est ma vision. Mais votre vision à vous est toute différente. Ça va être très mauvais pour vous dans les années à venir. C'est pour ça qu'on essaie de se tirer de cette planète. Ça continue non-stop sur les réseaux sociaux, le site, et n'oubliez pas de télécharger l'appli.